crois que tout le monde avait suivi dans les réseaux sociaux des messages pratiquement incendiaires. Et du côté de l'UDPS et du côté des Ensemble, qui proposaient une marche pour demain vendredi et qu'il devait y avoir des affrontements. Nous sommes venus ici parce que nous voulons que nous puissions parler de la paix. La paix, ça c'est un mot magique. Nous faisons la politique, c'est vrai. Nous, à l'UDPS, nous avons fait la politique et c'est avec une méthode de nos violences. Nous l'avons fait durant l'opposition, nous l'avons continué jusqu'à ces jours-ci. Donc nous ne voulons pas qu'il y ait des troubles. Demain, il n'y aura pas de marche. Parce que ce message qui a été lancé dans les réseaux sociaux, nous ne sommes pas concernés. Nous demandons à notre population, nous demandons à tout le monde de l'UDPS, les jeunes particulièrement, de ne pas aller assister à une quelconque marche que nous n'avons pas demandé. Celui qui a parlé n'a pas eu mandat de pouvoir le faire et donc nous refusons cela. Voilà un peu le message que je vais donner. Nous sommes ensemble ici avec nos amis et ensemble. C'est vous dire que tout s'est bien passé et nous allons nous séparer dans la paix. La province de Katanga et surtout la ville de Lubumbashi, c'est la ville pour la paix. Il nous a vraiment demandé que nous puissions garder cette constance-là de la paix et que tous nous puissions vraiment aménager et que nos jeunes qui ont eu à faire des déclarations dans les réseaux sociaux puissent vraiment partager cette paix et vraiment vivre ce calme. Voilà, nous demandons à tous les jeunes de se calmer et que tous nous puissions vraiment être des agents de la paix, des acteurs pour la paix. Des salles de classe décoiffées, des traces de feu aux murs fissurés, l'épée Katouba 1er dans la commune portant le même nom a été la première étape de la visite du gouverneur de province. Jacques Ablakate a promis la réhabilitation de cette école mise à sac par des inciviques lors de la campagne électorale de 2018. L'autorité provinciale se rendra par la suite aux écoles Ushuja 1 et 2 de la commune de Kenya. Ici aussi, des hommes non autrement identifiés avaient vandalisé ces écoles pendant la campagne électorale de 2018 en emportant portes et fenêtres. Pour les responsables du Shuja 1 et 2, la visite du gouverneur suscite de l'espoir pour le personnel enseignant alors que la majorité d'élèves a déserté ces écoles. Concrètement, nous attendons la réhabilitation totale de notre école. Nous attendons vraiment de merveilles du côté du gouverneur de province. Et nous sommes très sûrs que ça ira. Sinon, sa présence me réconforte et donne déjà la joie à toute la communauté de cette école de l'État Nchudia. Sa présence donne déjà l'espoir. Nous savons qu'il est Wandani, comme l'a toujours dit. Il est très sensible aux problèmes, surtout des élèves. Les travaux de réhabilitation de l'épée Katouba 1er et des écoles Ushuja 1 et 2, c'est pour bientôt. Le gouverneur Jacques Ablakate l'a promis afin de concrétiser l'un des piliers du plan d'action du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Quelle éducation! Vers la matérialisation du projet de construction d'une usine de fabrication des batteries électriques dans la province du Katanga. Ce vendredi 14 octobre 2022, le vice-gouverneur de province, Jean-Claude Kamfa Kimimba, a posé la bande de sécurisation du site de la zone spéciale économique où sera construite une usine de fabrication des batteries électriques dans les secteurs de Bukanda, Gupuma, Kasongo, à 40 km de la ville de Lubumbashi. Dans son adresse, le numéro 2 de l'exécutif provincial a loué cette initiative qui vise à lutter contre le chômage. Nous aimerions féliciter et remercier Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est notre président, le Premier ministre, ainsi que son gouvernement et tous les partenaires impliqués dans ces grands projets panafricanistes. Les richesses que nous produisons ici seront transformées en produits finis. Et lorsque ces richesses sont transformées en produits finis, ça sous-entend plusieurs sociétés, ça sous-entend beaucoup d'emplois. C'est ça qu'il faut à la République démocratique du Congo, la transformation de ces produits en produits finis. C'est à partir de cette borne que nous venons de placer que les Congolais, d'une façon générale, vont changer de statut. C'était avant de poser la borne. Il s'ensuivra la cérémonie traditionnelle faite par le chef Kasongo. Bien avant, la délégation mixte Ministère national de l'Industrie, Commission de la zone économique Afrique centrale et Union européenne a visité le site, une concession de 2000 hectares. Juste après, le vice-gouverneur et sa suite se sont rendus à l'université de Lubumbashi, faculté des polytechniques. Sous la conduite du recteur Gilbert Kishiba, la délégation a visité les différents laboratoires métallographiques pour s'imprégner des conditions dans lesquelles évoluent les futurs cadres universitaires afin de créer un partenariat
pour l'appui de cette institution à l'usine de fabrication des batteries. Notons que le financement de ce projet émane du gouvernement central avec ses partenaires. Ce concours de recrutement de magistrats édition 2022 se tient à travers la République, le point du lancement officiel est Lubumbashi au collège Imara. Plus de 5000 candidats magistrats attendus au Haut-Katanga, 36 000 sur l'ensemble de la RDC. Ceux qui vont satisfaire 4 000 seront injectés dans la magistrature. C'est le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta Badibanga, qui a présidé cette cérémonie en présence du vice-gouverneur Jean-Claude Kanfwa Kimiba, représentant du gouverneur de province Jacques Kabula-Katwe, du maire de la ville ad intérim Lauriane Kalombo et quelques autorités judiciaires en province. Le magistrat suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, attend après ce test des hommes d'État qui vont inoculer une nouvelle dynamique dans la justice en RDC. Des magistrats qui feront de la justice véritablement la lumière du pays, a martelé le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature dans son mot des circonstances. Le chef de l'État, le magistrat suprême, a encore tiré l'attention et du gouvernement et du Conseil supérieur de la magistrature sur le fait qu'il y avait encore des choses déplorables dans notre justice. Et c'est cela qui nous motive encore davantage pour faire en sorte que ceux qui sont recrutés dans cette vision-là, ne peuvent être recrutés que pour consolider l'état de droit. Ce qui nous a motivés, c'est l'espoir de voir cette crème des magistrats, cette crème qui peut faire en sorte que demain, la population puisse regarder sa justice, être sereine et vivre dans la paix. Le président Dieudonné Kamuleta Badibanga va aux côtés du vice-gouverneur Jean-Claude Kanfwa Kimiba ouvrir la malle contenant les items. Il va tour à tour avec le vice-gouverneur et toute la suite les distribuer aux candidats magistrats. Ils ont fait la ronde de toutes les salles où se tient cette épreuve pour motiver les candidats et leur signifier que seule la compétence sera mise en avant-plan. Il s'est dénoté que le dernier concours du recrutement des magistrats en RDC s'est tenu il y a 12 ans. Cette séance de travail sur l'état de l'environnement dans la province du Haut-Katanga s'est élargie cette fois aux professeurs d'université. Pour cette seconde réunion, le commissaire provincial à l'environnement, Serge Mago Manyembo, ensemble avec les services techniques de son secteur et quelques professeurs des universités, ont réfléchi sur les stratégies à arrêter pour éradiquer la pollution qui gangrène la ville de Lubumbashi. Pour le coordonnateur de l'environnement en province, Jean-Pierre Ilungangwej, les travaux évoluent bien et les résolutions seront bientôt rendues publiques. C'est la suite des entretiens avec les services techniques qui aujourd'hui a été élargi aux spécialistes de l'université de Lubumbashi. C'est au sujet du problème de pollution de l'environnement que connaît la province du Haut-Katanga. Les réflexions vont bon train. Lutter contre la pollution est une affaire de tous, d'où l'implication de tout le monde s'avère nécessaire, a dit pour sa part le professeur ordinaire Célestin Banzalouba Bankoulou, directeur de l'unité de toxicologie et environnement, un centre de recherche scientifique de Lubumbashi. Suite à la situation des camionneurs qui a prévalu récemment dans la province du Haut-Katanga, le commissaire provincial au transport, Robert Kawissa, a réuni ce vendredi 14 octobre 2022 dans son cabinet de travail le chef des bureaux des divisions de transport, Joseph Kassonanfumu, et le chef des bureaux des opérations de la PSR Lubumbashi, le major Augustin Makolo. Au centre de leur échange, la protection et la gestion des camionneurs locaux et étrangers. C'est ce qu'a souligné Joseph Kassonanfumu, chef de bureau de la division des transports. L'Excellence nous a appelés pour les donner quelques dispositions pour que ces problèmes ne puissent pas encore se répéter. Oui, par exemple, il y a d'autres chauffeurs étrangers qui entrent ici. Ils entrent avec des plaques étrangères, mais il arrive quelque part, ils changent, ils mettent des plaques congolaises. Et tout ça, ça crée un problème. Comment un véhicule peut avoir des plaques? C'est pourquoi ce sont des problèmes que l'autorité voulait que la PCR aussi soit là pour que nous puissions quand même mettre de l'ordre dans ce secteur des transports. Le major Augustin Makolo, chef de bureau PCR Lubumbashi, a quant à lui promis de travailler d'arrache-pied afin de contrôler différents espaces de stationnement automobile. On nous a donné l'instruction de commencer à contrôler, mais il y a aussi des parkings par-ci, par-là. Oui,
dans ces parkings-là ne sont pas contrôlés. Nous allons passer maintenant au contrôle pour voir qui est le propriétaire de ces parkings. Ils font quoi? Ils nous amènent quoi? C'est ça. Robert Kawissa est déterminé à remettre de l'ordre dans son secteur en mettant en marche tous les services de transport de la province. D'ici quelques mois sortira de terre sur cette colline du site Nzanzabisadi, cette maison qui accueillera deux délégations de la province du Haut-Katanga. Sous ses sons de flûte, le responsable de la ville, Sante de Nkamba, et représentant du chef spirituel, accompagné d'Immaculé Bagabé Batété, pose la première pierre de cet ouvrage communautaire. Pour la commissaire provinciale à la culture et à les relations intercommunautaires, ce jour est mémorable pour la communauté kimbanguiste de la province du Haut-Katanga, mais également celui du gouverneur Jacques Aboula Katwe qui est résolument engagé pour accompagner cette église. C'est pourquoi il a promptement répondu présent à l'appel des autorités kimbanguistes de sa province. Le gouverneur de province, honorable Jacques Aboula Katwe, a entendu l'appel de papa Simon Kimbangu, qui disait qu'il faut construire la Jérusalem nouvelle. Il ne pouvait pas rester insensible à la demande de la communauté kimbanguiste au Katangaise à ce qu'on construise une maison de représentation dans la cité sainte. Voilà pourquoi il m'a délégué. Et pour ça, nous lui disons merci. Et nous pensons qu'avec l'aide de toute la communauté au Katangaise, les travaux ne vont pas traîner. Le responsable de la ville sainte a, quant à lui, loué les efforts du gouverneur qui ne cesse de maintenir la flamme de l'histoire commune entre les provinces, tout en ayant un attachement particulier avec la ville sainte. Mais le Bumbashi et l'Ingi Koloba, le Bumbansi, c'est-à-dire Totia Mabele Nyonso ainsi Kamoko, c'est ça qui signifie le Bumbashi. Tope saka merci na bande ko na biso ya Katanga na ndenge bo bomba ki tata na biso koko na biso papa Simon Kimbangu pendant 39 ans et pas inabino tika tata nzambe a continuer ko pate na bino boza la bo moko. Selon les ingénieurs, cette infrastructure sera opérationnelle dans moins de 6 mois si les matériaux sont disponibles. Le 11 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de la jeune fille. Pour cette année, le thème national retenu est « Solidarité intergénérationnelle ». Cette thématique est focalisée sur la création d'un monde où règne la complémentarité et l'égalité entre différentes générations, afin d'aspirer ou de consolider un avenir durable pour tous. Au-delà de l'aspiration à une harmonie entre jeunes filles d'une part et intergénérationnelles d'autre part, susceptible de parer à tout conflit de génération, la commémoration de ce jour interpelle la jeune fille à dénoncer les méfaits des mariages précoces, les violences sexuelles et celles basées sur le genre, les abus et l'exploitation économique, les harcèlements sexuels et les différentes pratiques traditionnelles néfastes et dégradantes qui s'érigent en obstacle à l'épanouissement des jeunes filles. Avant de clore cette adresse, j'aimerais rendre un vibrant hommage au chef de l'État, président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la démocratie et initiateur de l'État de droit, artisan de la paix, pour ses actions en faveur de l'émergence de la femme congolaise et de la protection des droits de la jeune fille dans notre pays. J'adresse également mes remerciements à notre vaillant gouverneur de province, l'honorable Jacques Aboula Katwe, qui ne ménage aucun effort pour placer la jeune fille du Haut-Katanga au centre de ses nombreuses réalisations. Ainsi donc, je lance un message particulier aux autorités politico-administratives et judiciaires de sanctionner les auteurs, co-auteurs ou complices des abus dont les jeunes filles sont victimes, aux membres de la communauté, de dénoncer les abus de toutes sortes
dont les jeunes filles sont victimes. En l'occurrence, les mariages précoces et autres méfaits qui compromettent l'avenir de ces dernières. Aux parents, de tenir des dialogues francs avec leurs filles afin de les guider pour éviter des situations fâcheuses. Aux jeunes filles, de rester ouvertes, d'éviter des mauvaises compagnies et des habitudes peu recommandables, de se consacrer aux études pour leur épanouissement et un avenir radieux. La maltraitance dans leur travail, des étrangers organisent des garages. Une vingtaine d'entreprises emploient les chauffeurs de camions poids lourds étrangers avec des plaques d'immatriculation nationale à l'encontre de la loi du pays. C'est en somme la revendication de la corporation de camionneurs du Haut-Katanga et du Lualaba, présentée à la ministre nationale du Travail, Emploi et Provinces sociales. Réagissant à ces doléances des camionneurs, Claudine Doucy a réuni ce lundi 10 octobre 2022 toutes les parties qui interviennent dans ces secteurs, le ministre de l'Intérieur, la commissaire provinciale au travail, celui de transport, quelques membres du ministère national des transports, bref, tous les services pouvant permettre de trouver la paix sociale durable dans ce secteur. Revendiquer, oui, mais ça doit se faire en respectant la loi. Pas question donc de se faire justice en attaquant les chauffeurs étrangers, une des recommandations du gouvernement formulée aux camionneurs. Chacun, ce qui le concerne, a promis de s'engager pour protéger les chauffeurs. Ils ont également reçu l'assurance de l'accompagnement du gouvernement, tant au niveau national que provincial, pour leur sécurité et tout ce qu'il faudra pour qu'ils soient aussi considérés, à l'instar de leurs collègues des nationalités étrangères. Nous allons laisser une commission qui sera également pilotée par le gouvernement provincial. Les camionneurs se sont engagés à observer la loi du pays qui régit leur secteur. Ils ont été apaisés par toutes les recommandations de la réunion. Nous avons retenu aussi une chose, c'est que l'autorité a entendu notre cri d'alarme. C'est la réclamation de notre travail qui est occupé par les étrangers. Tous les camionneurs, je leur dis ceci, que leur cri a été entendu, que le gouvernement accepte de nous accompagner, qu'ils aient leurs apaisements et que le travail a déjà commencé. La ministre nationale du Travail, Emploi et Provinces sociales, Claudine Doucy, a envisagé d'initier une commission ad hoc avec ses collègues, dont celui des affaires étrangères, pour renforcer la protection des camionneurs, même dans les pays étrangers. C'est le ministre national en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale, Claudine Doucy Kembe, qui a présidé ce vendredi la cérémonie d'inauguration en présence du vice-gouverneur de province, Jean-Claude Konfoy-Kimimba, et quelques membres du gouvernement provincial, le chef de division provinciale et la PCA de la CNSS, Joséphine Chimbi. Prenons la parole, le chef de division de l'inspection du travail, Ezekiel Mpiana, a précisé que la construction de cette bâtisse est le fruit des efforts personnels pour permettre au personnel de bien travailler. Il a 4 bureaux, une salle de réunion, un long couloir et 2 toilettes. La commissaire provinciale à l'emploi, travail et prévoyance sociale, Angélique Kiungu, a félicité la matérialisation de ce projet qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Le vice-gouverneur Jean-Claude Konfoy-Kimimba a ainsi loué la bravoure de l'inspection provinciale du travail qui arrive à se construire un bureau. Il a promis les soutiens du gouvernement provincial. J'ai besoin de rappeler ici les devoirs et responsabilités dévolus à l'inspection du travail. Je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte pour inviter les inspecteurs du travail à travailler avec conscience et conformément aux prescrits des textes légaux, en apportant un travail de qualité. La ministre nationale de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi, a précisé que ce vendredi coïncide avec la célébration de la Journée mondiale du travail décent. Elle a promis la réforme de l'inspection du travail et l'a saluée. Je voudrais ici féliciter l'initiative du chef de division provinciale de l'inspection générale du travail. Je pense que le patriotisme devrait animer tous les Congolais que nous sommes. Et de cette manière-là, autour de la vision du chef, nous pouvons construire un Congo où il règne la paix et la paix sociale, surtout dans le secteur du travail. Juste après son intervention, la ministre a coupé symboliquement le ruban marquant ainsi l'ouverture de ce nouveau bureau. Auparavant, la ministre de l'Emploi a été reçue en audience par le vice-gouverneur de province Jean-Claude Konfoy-Kimimba pour échanger sur le travail
dans le Haut-Katanga pour échanger sur le travail dans le Haut-Katanga.